Cher Sébastien, toi et moi, nous ne sommes pas si différents, tu sais. Souvent, je vois ton père en te regardant, ce que tu pourrais apprécier. Ton père et toi sont de très beaux hommes. Je suis sûre que Lola le pense aussi. J'espère qu'en allant voir ton père, il pourra répondre aux questions qu'il t'a laissées en partant. Peut-être ça t'aidera à devenir plus à l'aise avec toi-même. Jusque-là, je ne peux te promettre qu'une chose. Ta sœur et moi serons toujours là pour toi. J'ai énormément apprécié ton aide pendant cette dernière année et j'en suis infiniment reconnaissant. Je sais que tu n'es pas une personne hostile et c'est pour ça, ça me bouleverse à chaque fois quand on se bagarre. Peut-être que cela est une colère accumulée que tu ne montres qu'à moi. La relation entre ta grand-mère et moi quand j'avais ton âge et celle entre toi et moi sont très similaires. Nous nous disputions régulièrement, mais ce n'était pas toujours de sa faute. Prendre soin de moi et mon frère et son boulot à temps plein la mettait sous énormément de stress. Elle m'aimait en abondance comme je t'aime toi. Je veux que tu t'en souviennes pour le reste de ta vie. Si tu es avec moi, ou à l'autre bout du monde, je serai toujours là pour toi. Je t'aime vraiment, mon fils. Non mais tu pues la cigarette. Je ne pue pas. Tu ne pues pas la cigarette. Non. Non, tu te fous de ma gueule. Bah, tu me fais chier de toute façon. Et tu me prends pour une conne ? Non. Chère mère, j'ai tout le temps pu vivre seul, sauf sans toi et mes amis, je serais probablement perdu. Ils ont tout le temps été là quand j'avais besoin d'eux. Je leur en dois beaucoup. J'ai enfin trouvé des personnes qui me comprennent. J'ai une tendance à être trop dur avec moi-même. Je veux juste que tu sois fier de moi. Et j'apprécie que tu me pousses à m'exprimer. Estelle ne comprendra jamais l'effort que tu as mis pour elle. Peut-être un jour. Je t'aide à la maison pour que tu puisses voir l'appréciation que j'ai pour toi. Mais ça ne sera jamais au même niveau que tu as fait pour moi, Estelle. Ça n'a pas fini bien entre moi et Lola. Les bonnes choses ne durent pas longtemps. Je lui ai donné ton numéro. Je lui ai dit de t'appeler si elle a un problème. Tu as tout le temps pris bien soin d'elle. Je fais un film sur toi. C'est la seule façon que je puisse m'exprimer. J'espère qu'il pourra bien démontrer la façon dont je vois notre relation. En faisant mes valises, je pense à tous les moments marquants de ma vie d'enfant. Et tu y es toujours. Je ne les oublierai jamais. Vous me manquerez à tout moment, toi, Estelle, même Bowie. Mais je rentrerai. Donc ne me manquez pas trop.
Je t'aime.